Les amis, nous sommes le lundi 3 juillet 2023 et c'est le début de la Fashion Week haute couture. Donc la semaine dernière, je vous ai emmené à la Fashion Week prêt-à-porter masculine. Donc cette semaine, c'est la Fashion Week haute couture. J'ai fait maison pour l'occasion, je viens de les refaire. Là, je me suis maquillée, j'ai mis des petits diamants et on commence aujourd'hui par deux défilés qui sont Schiaparelli, mon préféré, ma marque préférée de tous les temps, et Dior. Genre, c'est pas encore sûr, ça dépend de comment c'est organisé, si c'est bien foutu, mal foutu, s'il y a trop de monde ou pas. Mais voilà, aujourd'hui c'est Schiaparelli et Dior, je vous emmène, je vous montre ma tenue et let's go. About the relationship, they not want to negotiate. We are nearing the end. It's actually so nice to hear you sound like that. Les amis, on est jeudi 6 juillet, c'est la dernière journée de Fashion Week. On va faire 2 à 3 défilés, on va faire Iman Ayassi ce matin. On va essayer de rentrer dedans, voir s'il y a un standing. Fendi, c'est vraiment juste pour les stars. Et peut-être un autre défilé ce soir, en fonction de si on est en forme, si on est fatigué.
si on est satisfait de notre journée ou pas, on verra si on en fait un autre ou pas. Et on va peut-être finir sur un petit McDo, petite tradition de Fashion Week, on finit toujours sur un McDo. Et ensuite, je dors pendant une semaine, littéralement.